Ce projet est venu de rencontre avec la volonté d'un homme, le préfet Jean-Christophe Parizeau, qui souhaitait, dans le cadre de sa mission de service public sur la diversité, faire à partir du Languedoc-Roussillon un événement marquant, en rapport évidemment avec la diversité, et plus précisément le handicap en général, toutes les formes de handicap. Vous allez évoluer avec une canne blanche, avec les yeux bandés, pour vivre dans la peau d'un malvoyant, d'un aveugle. Vous allez vous mettre sur un fauteuil roulant pour voir les difficultés qu'on peut rencontrer avec une simulation extérieure, en fait, dans un village dédié. Vous allez apprendre quelques bases de la langue des signes, au cas où un jour vous ayez à rencontrer quelqu'un qui est malentendant, ben, vous saurez lui dire bonjour, merci, au revoir. Vous vous rendrez compte que c'est un langage à part entière. Cette rencontre a lié le préfet Jean-Christophe Parizeau à Marie-Hélène Delon et moi-même. Et ensemble, nous avons cheminé vers la construction d'un événement de 3 semaines qui consiste à sensibiliser les collégiens du Languedoc-Roussillon donc aux différentes formes de handicap. Et le handicap fait partie des choses qui font peur et qui peuvent faire découler des préjugés, des idées préconçues, des stéréotypes, des mots que vous apprendrez au fil de la vie. Et bien là, ben, vous saurez exactement ce qu'il en est. Ça vous permettra d'être beaucoup plus fort pour pouvoir en parler d'une part et pour pouvoir échanger lorsque vous serez au contact de personnes handicapées. C'est ni plus ni moins qu'un constat fait aux États-Unis. Pourquoi les gens de 15, 20, 30, 50, 70, 90 ans sont très conscients de pas mal de formes de handicap et vivent avec, et bien parce qu'ils l'ont appris à l'école, tout simplement. Et on se rend compte que c'est peut-être la classe de 5e, en l'occurrence, un âge où on n'est plus un enfant et pas encore un adulte, et un âge où on est peut-être en plein début de questionnement, d'ailleurs, aussi. Est-ce que c'est difficile ? Un peu. Qu'est-ce qui est difficile ? Ben, parce qu'on ne voit pas, et on doit se diriger juste avec la canne. Ils sont réceptifs à la différence, ils sont réceptifs à l'injustice. Ces enfants, ils en ont parlé à leurs parents, à leur entourage, partout. Et en fait, c'est ça qui donne du poids à notre affaire, c'est qu'on sème des graines qui poussent, voilà. Je suis immensément heureux aujourd'hui. Immensément heureux de voir cette salle remplie et de savoir que 60 collèges de la région Languedoc-Roussillon participent à cet événement. Les étudiants en soins infirmiers, ils ont leur place dans ce dispositif d'accompagnement, de découverte du handicap spécialement. Évidemment, c'est la vraie vie, c'est la pratique. Et l'école d'infirmières, c'est notre... Ils encadrent toute la manifestation avec les Lyonces. Ce sont les piliers indispensables à la réussite du projet. Parce que les jeunes s'investissent, parce que bon, ils sont pleins d'idées, d'enthousiasme, et ils ont trouvé des sketchs qui sont très drôles et qui sont très pertinents. Voilà. Après le petit circuit dans les graviers, tu vois, on les faisait rouler en fauteuil roulant dans des graviers, et ils galéraient parce que c'est pratiquement pas possible de faire ça. Du coup, moi, j'essayais à chaque fois d'en prendre un peu parti, d'essayer de lui parler calmement. Mais il y avait 50 personnes, d'essayer de le centrer en disant « t'as vu une personne en fauteuil roulant dans un parc, et bien, elle peut pas apprécier quelque chose qu'une personne qui marche, parce qu'il y a des endroits où elle peut pas aller à cause des graviers. » Du coup, j'essayais de leur donner des petits exemples comme ça. Ils ont absolument leur place, et je dirais même sans eux, ça serait très difficile. Nous aussi, c'était la découverte, quoi. Ouais, voilà. Donc on l'avait un petit peu avant, on s'est rendu compte, donc après on pouvait plus apprécier et plus mieux expliquer aux enfants, mais c'est vrai que nous aussi on n'est pas... Enfin, c'était la première fois que je faisais un parcours en fauteuil roulant ce matin. Ouais. On a téléphoné à Monsieur Gruet-Mazon, qui est venu à notre... donc le directeur, qui est venu à notre première réunion avec Madame Crespi, et puis ça s'est enchaîné. L'IFSI, c'était une évidence pour nous, parce que quand on est élève infirmier, on est capable de se tourner vers l'autre, vers la personne qui est avec un handicap. Et je pensais qu'en effet, c'était une proposition qu'on devait faire à l'IFSI. Déjà, l'infirmier, on peut considérer que c'est un acteur social, que ce soit dans le domaine du soin, de la prévention, de l'éducation à la santé. Alors déjà, au niveau pédagogique, il faut comprendre que ça fait partie au moins de 2 unités d'enseignement.
Une qui est complètement impactée, c'est l'unité santé, maladie, handicap, accident de la vie. L'autre unité d'enseignement qui peut aller avec, c'est tout ce qui est santé publique, éducation à la santé. Donc ça rentre bien dans le cadre pédagogique de la formation en soins infirmiers actuelle. Ah, on va aller juste les accueillir là et puis... Il y a quatre personnes là. Vous vous mettez chacun derrière une et vous essayez d'équilibrer les groupes. Les étudiants vont participer et faire participer des collégiens à des activités en lien avec le handicap. Suivez-moi, on va juste là. Si vous voulez, on va simuler le vieillissement avec une combinaison. Donc j'aurai un truc sur vous qui sera un peu plus lourd, j'aurai des articulations un peu gênées avec certaines protections. Est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'une personne âgée a la vue, ouais. D'ailleurs, je vais mettre des lunettes. Alors, ce que nous cherchons d'abord, c'est développer des compétences en matière d'éducation, d'information, de prévention, à partir d'un vécu événementiel. On a du mal à penser. D'appréhender le handicap d'une façon pratique, sur place, avec de rencontrer des personnes, des associations, c'est une manière pédagogique d'apprendre plus intense. Peux-tu répéter plus fort ? Rencontres là avec les difficultés ? Bah, la première déjà, c'est pour plier juste les coudes là, comme ça nous sert, on a beaucoup moins d'amplitude. Et après, rien que pour les gestes un peu plus minutieux, rien qu'enlever un bouchon, on voit presque rien, on voit pas sur les côtés, donc on est obligé vraiment d'être en face. Et après, pour l'adresse, bah, comme on a un poids un peu plus lourd, on se sent plus lourd, on a du mal à faire des gestes précis et à forcer, à avoir la bonne dose. Je vais la remettre. C'est au niveau de la vision. Ils vont se confronter à d'autres acteurs. Il y a des partages qui se font de la connaissance et de la reconnaissance mutuelle entre différents partenaires. Et du coup, eux qui sont futurs professionnels, ils vont comparer aussi leur approche d'un domaine comme celui du handicap, par exemple. Bah, la vision, on est forcément gêné, on est obligé de se mettre en face des choses pour bien les voir. Et au niveau de l'audition, bah, ça ne change pas beaucoup, mais par rapport à moi. Mais c'est quand même... Il faut vraiment regarder la personne pour essayer de lire presque sur ses lèvres pour comprendre. Et c'est plutôt handicapant, on a des repères différents. Alors en fait, j'ai un défaut d'audition, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai passé mon appareil. Donc j'ai 50% d'audition en moins, c'est ça. 50% d'audition en moins dans l'oreille droite, donc l'autre fonctionne bien, donc je vous entends bien, donc tout se passe bien. Le truc, c'est que là, vous me parlez, il y a un peu de bruit, j'entends tout, mais il suffit que vous parlez un peu bas sur ma droite, et je ne vais pas forcément comprendre, je vais vous entendre, mais je ne vais pas forcément saisir ce que vous voulez dire. Je vais vous demander de répéter assez régulièrement, vous pouvez demander à tous ceux qui me connaissent. Essaye de la porter jusque... Ah, t'as un peu de mal à avancer un peu plus. Voilà, qu'est-ce que t'as ressenti? Ben, c'est deux fois plus difficile de bouger et on n'entend pas, pratiquement pas. Maintenant, mon petit frère, il est grand quand même, mais il bouge pas beaucoup. Il dit rien. Des fois, j'aimerais bien le faire rire. Quand on se promène, les messieurs et les dames le regardent beaucoup aussi. Et puis, des fois, mon frère, il fait des gestes tout bizarres. Il bat les bras, comme pour s'envoler. Il y en a qui ont peur de ça. Ils croient que c'est une maladie qui s'attrape. Mon petit frère, il est né comme tout le monde, mais il vient aussi un peu de la lune. Eh ben oui, il a tout qui brille, comme la lune. Chaque mot de ce court-métrage avait son importance. Tu l'as attrapé quand on est son âge ? Non, d'abord, l'autisme, c'est déjà dans l'enfance, dans le ventre de la maman que ça commence. Et ce n'est pas contagieux. Chers élèves, je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui et je voudrais vraiment que vous puissiez vivre cette journée comme un moment extraordinaire, même si pour certains, c'est leur ordinaire. Dans une société égoïste qui se replie sur elle-même, vous avez la chance, les enfants, de vivre ce que vous êtes en train de vivre. Vous êtes tous assis ensemble, côte à côte, filles et garçons. Les filles et les garçons à égalité, les hommes et les femmes égaux, égaux sur les mêmes emplois, égaux dans la vie, le même respect pour les uns et pour les autres. C'est ça que vous allez apprendre. Il suffit de regarder le contexte dans lequel on vit et justement l'énergie qui est déployée où
un handicap devient un positif quand on accepte de vivre avec. Je pense qu'avant, j'étais aussi différente, mais que ça ne se voyait pas. Et puis maintenant, 10 ans après mon accident, je me rends compte que j'ai adapté ma vie. Donc, je n'ai pas de problème particulier lié à mes déplacements. J'arrive à gérer mon fauteuil roulant, mes béquilles, chez moi, mon travail. J'ai repris une activité normale au travail. J'ai repris mes activités sportives. Je fais de la compétition et je suis sportive de haut niveau. Je continue à voir mes amis, à faire des sorties. Par contre, ce qui continue à me déranger aujourd'hui, c'est le regard que les gens peuvent porter sur moi. Et comme disait Paul-Éric tout à l'heure, je pense que c'est lié à une méconnaissance du sujet. Et je pense que de parler à ces jeunes collégiens de 5e et leur expliquer déjà dans un premier temps ce qu'est le handicap, ça peut leur permettre justement de ne pas avoir ces préjugés, de ne plus en avoir peur et puis peut-être plus tard d'évoluer dans la vie avec des regards différents sur les personnes en situation de handicap. Enfants ont vraiment aucun problème, aucun par rapport au handicap, ils sont spontanés et c'est vrai que les questions qui leur viennent à l'esprit, ils sont capables de nous les ressortir immédiatement sans aucun problème quoi. Ça c'est toujours agréable. Est-ce que c'est difficile? Oui monsieur, mais je comprends les personnes handicapées qu'il faut être gentil avec eux pour pouvoir alléger leur quotidien qui est assez compliqué comme cela. 25 ans qu'il me manque une jambe et demie. Ça fait 25 semaines que j'ai besoin de lunettes. Je suis beaucoup plus embêté par le fait de ne pas avoir mes lunettes que par le fait d'avoir une jambe et demie de moins. Tout dépend du degré de handicap. Le handicap, c'est quelque chose qui n'est pas un état. On a un handicap par rapport à quelque chose, par rapport à un élément extérieur. Et bien, j'assume le fait de dire que sans mes lunettes, aujourd'hui, je suis handicapé, pas avec mon fauteuil roulant. Quelqu'un décrit comment elle s'est passée, la scène? On est où? Il se passe quoi? On est dans un cabinet médical. Ouais. Il y a une dame qui est devant un bureau, devant un ordinateur. Une secrétaire. Voilà, parfait. Et elle reçoit des appels et elle reçoit des clients. Donc elle est fait des patients, elle est fait asseoir sur des chaises. Et quand tout à coup, il y a un malentendant qui arrive. Et la dame au début, elle ne le savait pas. Mais après, le monsieur lui explique. Qu'il est sourd, mais après la dame elle lui dit allez vous asseoir, mais il réagit pas, et après elle lui fait un signe, comme ça il reconnaît qu'il faut aller s'asseoir, mais par contre elle a fait sauter une personne à sa place, mais normalement il fallait lui dire de venir. Elle aurait dû lui expliquer, parce que lui expliquer qu'il est comme vous êtes comme nous, mais c'est que vous êtes sourd. Ouais. Elle connaît tous ses goûts quoi. C'est beau. Quoi d'autre dans le comportement des gens? La dame, elle s'est poussée. Elle s'est poussée? Pourquoi elle s'est poussée à ton avis? Elle aurait pu prévenir, elle aurait pu aider. Elle est méfiante? Ouais, elle a peur, elle est méfiante. Elle est gênée? Est-ce qu'elle est gênée à votre avis? Est-ce qu'on est gêné quand on est à côté d'une personne? Ça arrive. Mais à votre avis, est-ce que c'est normal d'être gêné? Non. Au contraire, il faut être aidante, comme elle disait. La personne, elle aurait pu aider. Qui est-ce qui est volontaire pour rejouer la même scène, mais en faisant tout très bien? Il faut 5 ou 6 personnes. Par le comportement de chacun. Handicapé, c'est votre regard aussi des fois qui crée cet handicap. Une personne en situation de handicap, je crois qu'il y a du temps, ce qu'elle demande, c'est de l'aide, mais pas un apitoiement ni de la pitié sur soi. Elle veut être considérée comme une personne à part entière, avec sa singularité, avec son handicap. Sur
ce projet, il y a des étudiants infirmiers qui sont là pour faire l'animation, pour accueillir les enfants, les encadrer. Par rapport à eux, qui sont des futurs soignants, vous avez senti aussi qu'il y avait un petit déclic parfois, qu'ils avaient peut-être des représentations, des a priori en arrivant qui se sont envolés. Peut-être, en tout cas je l'espère. C'est vrai qu'il y en a plusieurs du coup qui ont essayé aussi les fauteuils roulants ou d'essayer de se mettre les yeux bandés. Et je pense que c'est important parce qu'après, une personne qui est en situation de handicap quand elle est hospitalisée pour des examens ou autres, c'est vrai que les gens, les soignants ont tendance à surprotéger et à voir toutes les personnes, par exemple en fauteuil roulant, moi je vais parler de mon cas, comme quelqu'un qui n'est pas forcément autonome. Donc c'est bien de l'être parce que tout le monde ne l'est pas. Mais après, des fois, il y a peut-être une surprotection et c'est bien de voir aussi que finalement, il y en a d'autres qui sont aussi tout à fait autonomes et qui arrivent finalement à avoir besoin de très peu d'aide. Il n'y avait pas que le handicap dans la différence et le titre de la journée est bien trouvé comme ça, différent comme tout le monde. Puis on peut être un métis, on peut être un étranger, on peut être homosexuel d'un milieu social très pauvre, on peut être gros, on peut être moche. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être des handicaps et vous êtes vous, les futurs adultes. Vous serez peut-être recruteur, vous serez peut-être enseignant. Et c'est ça aussi qu'il faut retenir, c'est que la journée est très bien faite, elle est très centrée sur le handicap, c'est très bien, c'est le but. Mais il y a aussi d'autres formes de différence. Donc je suis ravi de participer avec mon équipe, je suis content pour nos étudiants parce que je crois qu'ils passent très bien vis-à-vis des personnes qui ont droit à un service. On vous le confirme, ça voilà, se passe très bien, ils sont plus impliqués. Ouais. Alors on les a préparés au mieux, mais ils ont aussi une certaine vocation, un certain enthousiasme qui est assez communicatif. Et leur âge aussi permet aussi d'accéder peut-être facilement aux élèves de collège. Voilà. Merci de votre soutien, merci de votre aide aux côtés de l'éventuel. On va faire des petits ateliers, on va vous séparer en 4 groupes et on va vous faire tourner d'atelier en atelier. D'accord ? Ok, il te parle. Est-ce que c'est dur ? Oui. C'est très dur. Bah à gauche. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ça va bien ? Ok. Alors d'abord, je voudrais vous dire bravo à vous les élèves, parce que sincèrement, vous m'avez donné une belle leçon, c'est-à-dire que vous êtes vraiment très concentrés, et ça c'est cool. C'est qu'il n'y a pas de malaise. Tu peux être handicapé, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut qu'on se sente mal à l'aise. Parce qu'on est tous et toutes dans le même monde. On fait partie du même monde. On peut être sur fauteuil roulant. On peut être quelqu'un qui est non-voyant. On peut être quelqu'un qui n'entend pas. Mais d'abord, on est la personne que l'on est. Et vous, pour moi, vous n'êtes pas simplement des enfants. Vous êtes la personne que vous êtes, parce que vous êtes important et comme tout le monde. Je vous remercie. Comment t'as fait le fauteuil roulant ? Qu'est-ce que t'avais senti ? T'as eu du mal ? Oui, du mal à pousser. Pour la langue des signes. Vous écoutez ? Tous, merci. On va vous appeler un par un et vous allez venir devant Grégory qui va vous remettre la diplôme. 2. Merci pour vous. D'ailleurs, merci beaucoup. Merci les jeunes et à bientôt. On ne savait pas ce qui subissait. On n'était pas envers les autres. Qu'est-ce que tu retiens de cette matinée ? Ceux qui sont handicapés, ils sont comme nous. Il n'y a pas de différence entre nous et les autres. Je pensais qu'ils étaient un peu jeunes, au final, un peu surpris de leur. De leur écoute, ils étaient quand même relativement attentifs et que le message quand même était bien passé. Maintenant on a compris que tout le monde était pareil, que ce n'était pas facile d'avoir un handicap. J'ai l'espoir que ces petites graines qui ont été plantées là pendant 2 jours pousseront un peu plus tard et puis que ça rebondira et que dans le futur on n'ait plus ce genre d'intervention à faire. Quoi. Voilà, ça c'est un rêve. Ben, je trouvais que c'était très ludique et on est bien mis en situation. On va leur dire de respecter les gens qui sont pas pareils que nous. Finalement, ils retiennent l'essentiel. On retient que c'est des personnes comme les autres,
et qu'il faut apprendre à les considérer comme nous, quoi. Plutôt satisfait de cette journée, et je pense que ça leur a apporté quelque chose, et tant mieux. Beaucoup plu aux enfants, c'était très intéressant, et surtout que nous, on a eu un groupe qui était volontaire pour venir, donc du coup, ils étaient super intéressés, et ils ont appris beaucoup de choses. Ils sont venus avec déjà une connaissance théorique du handicap, mais aussi très sensibilisés par le parcours de la vie de M. Parizeau, qui leur avait expliqué son propre parcours. Il faut apprendre à respecter les personnes âgées qui ont des problèmes, et quand on peut les aider, on les aide. Ça leur a tellement plu qu'ils veulent continuer avec faire partager cette aventure avec d'autres enfants. Est-ce que vous avez envie de leur dire à ces jeunes qui ont découvert le handicap ? J'ai envie de leur dire, ne regardez plus les autres de la même manière. Il faut les aider, mais il faut toujours les considérer comme des personnes normales. Pensez que vous pourriez peut-être un jour, vous-même, être en situation de handicap, mais que ce n'est pas grave. Il fallait de l'effort, de l'envie. Et... Voilà, tous différents comme tout le monde, tous. Il y a des solutions, il y a des outils, il y a des personnes. Et c'est ça qui est le plus important, c'est non pas banaliser la différence, mais montrer que la différence, elle est riche. Quelques réactions par rapport à cette journée ? Bonne chance, monsieur le préfet, on est toujours avec vous. Différent. Comme tout le monde. Différent. Comme tout le monde. Différent comme tout le monde.